poursuivi par Duchesne. La passe est complétée par Keane. Keane à Dion. Dion à Keane. De l'autre côté, la passe jusqu'à Odelein. La passe devant une rondelle qui dévie. Le but. Oui. Une rondelle qui a dévié sur plusieurs joueurs ou plusieurs bâtons ou plusieurs patins. Oui, parce qu'il y avait la présence de Muller tout près du demi-cercle de Hrivnak. Muller qui subit la mise en échec de Boson. Et là, c'est Sévigny qui s'approche. La passe à Muller. Le but. Beau jeu, belle séquence là, de Sévigny à Muller. Là, c'est Schneider qui a la rondelle, mais il a mis beaucoup de temps. Il a jonglé avec le 10. Voilà Odelein, le tir et le but. Eh bien, la rondelle a dévié là, mais je pense que c'est Odelein qui va réussir son deuxième but du match. Jusqu'à Damphousse, rejoint par Duchesne. Qui évite partiellement cette mise en échec, c'est LeClair qui pousse le 10 jusqu'à Bellows. Bellows qui contourne le filet, le but! Et c'est Hrivnak lui-même qui a fait dévier le disque dans son filet. Bellows qui est venu frapper à la porte je ne sais combien de fois ce soir, Yvon. Il a souvent raté des tirs. Avec 5 minutes 28 à faire en deuxième période. Là c'est Petrov, Petrov qui s'échappe, de tirer le but! Un but à la Petrov! Quelle rapidité, Yvon! Il en avait marqué un spectaculaire à Dallas dimanche soir. Là, c'est le pauvre Brett Edekin qui est aux prises avec Petrov. Là, c'est Boson, la passe à Nedved. Voilà le tir de Nedved, bloqué par Roy, le retour et le but, Brandon Shanahan. Sur ce retour donné par Patrick Roy, Brandon Shanahan qui vient de réussir son 40e but de la saison. Bellows qui reprend, remet à LeClair. LeClair, la passe est pour Damphousse, son tir est bloqué en défense, le tir de LeClair et le but. John LeClair, et c'est 6-3. Fogarty à Bellows, à Odelein, le tir et le but! Lyle Odelein, eh bien, il s'agissait d'en parler, Yvon. C'est 7-2, mais ses coéquipiers ont tout fait pour qu'il le marque au troisième. En deux occasions, on a vu qu'on aurait pu effectuer des tirs de qualité en direction de Hrivnak. Mais non, on a fait des passes en diagonale en direction de Lyle Odelein qui réussit 3 buts. Et n'allons pas tellement loin pour se souvenir de la dernière fois qu'un défenseur avait marqué 3 buts. C'était au mois de juin, Éric Desjardins contre Los Angeles en série de la Coupe Stanley. Et Odelein là, qui reçoit une ovation debout. Eh bien, quand on parlait de sa magnifique saison, Odelein, tu as mentionné ce match où il a obtenu 5 passes, où il a participé à 5 buts. Et ce soir, il a 3 buts. L'ovation qui se poursuit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu une ovation comme celle-là au Forum.